Pas plus de serpents ou de grenouilles. Je crois qu'aujourd'hui, vu qu'il y a que deux grenouilles, eh ben il y a plus de serpents que de grenouilles. C'est officiel. Dr. Crow est juste un rageux. Il y a plus de snakes que de Greninja. Oui, bah oui, parce qu'en plus, ouais, Shabka, Eron, Aki. Il y a des serpents partout ici. Si upper, voilà. Ah. Et donc c'est déjà 52% hein, sur Iron. Sager qui est extrêmement propre dans ses phases d'avantage. Il nous a habitué à ça. Pardon. Qu'est-ce que c'était que ça? Chico qui crie pour exactement pas ça. Mais on comprend sa douleur. Ici, ici Iron a un peu fumble son Rico. Sa Rico, hein, y a pas d'autre mot. La mobilité aérienne de Snake étant ce qu'elle est, il a vraiment juste. Il est tombé dans le F-Smash de Sager. Qui était quand même possible à esquiver ce up-smash quand même. Qui va mettre Sager dans la sauce. Oh, il a pris Nikita qui est tombé. Mais 73% à 0 sur cette deuxième stock. Avec Sager qui a toujours son avantage de la première stock. Durement gagné et maintenu avec succès. Ici, ouais, Sager voilà, qui va chercher vraiment ses ouvertures, pas se presser, il joue Greninja de toute façon, donc c'est pas. Down tilt fair qui va pas tuer à 120. C'est lourd Snake. Ce landing fair. Et voilà, Greninja qui peut facilement le profil, pas mal de trucs qui. Ce qui n'aide pas Snake dans le match-up avec ses C4 sur la plateforme. Ouais, la DI était vraiment très belle de la part de Snake, effectivement. Et 137% à toujours 0 côté Sager, qui vraiment est un maître de l'esquive de grenade. Par contre, le Cypher qui aide Snake à. Ouh, la ride de roll était là. Mais un peu late malheureusement là-dessus. Et ce side B, il va trade avec grand plaisir une stock contre ses 25% je crois de grenade. À peu près. Hein. Peu ou coup. 65% quand même du coup sur lui. Mais il a quasiment une stock entière d'avance. Hein. Seulement il peut absolument se permettre de rester loin, faire des shurikens, esquiver. Mais il n'en sera rien. Il n'en sera rien parce que Sager veut étendre sa phase d'avantage. Attention quand même au C4 qui tombe du ciel. Une option de défensive de Snake qui est très utile. Ce up tilt qui touche à 2 km. J'ai eu l'impression qu'il avait ramassé le shuriken, ça m'a fait bizarre, mais c'était bien la grenade qui a clank avec un hit du shuriken qui n'a pas fait assez de dégâts pour l'exploser. Shuriken qui est globalement un assez bon projectile, mais qui ne casse pas les grenades, ce qui est un petit problème pour l'ami Greninja qui aimerait bien, je pense, faire sauter les grenades au visage de Snake. Et ce up smash sur la ride de Rollin. Ah, vraiment, Sager était branché directement sur le cerveau de Aeron. Et ici, je suis rejoint par Owo Maltin, joueur de grenouille en l'état. Joueur de grenouille en l'état. Owo, qu'est-ce que tu penses du match-up Snake? Alors, je suis le seul et unique Greninja de l'univers à considérer qu'il est even. Ah, je vais aller jouer. Je considère qu'il est even. Prendre... Moi, je considérais qu'il était gagnant pour Snake. Alors, tout le monde pense que c'est le cas. Je suis le seul, comme je te dis, je suis vraiment la voix dissidente là-dedans. Donc, je sais pas si j'ai raison. Mais bon, du coup, je prends. Alors, est-ce que je vais réussir à me démerder avec les tablettes? Déjà, je change de casque là. Hop là, changement de casque. Putain, je sais plus comment on fait. Ça va, quoi, ça va être sous bouton. Espérez que je fasse pas n'importe quoi, les gars. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Alors, du coup, let's go. Deuxième game
Sager Aeron, donc Snake Greninja, comme vous avez pu l'entendre, je suis le seul et unique Greninja de l'univers à penser qu'il est even. Parce que du coup, bah, le neutral c'est difficile. Forcément, il y a des grenades partout, ça explose, tout ça, c'est bref, assez difficile d'approcher. Et Snake, il a vraiment des super boutons en corps à corps, comme on le voit là. Sauf qu'il se prend une grosse phase, Sager, qui extend Sidebox dans une grenade, du coup il se prend le smash. Et voilà, mais voilà, les pourcents, ça peut aller très vite contre Snake. Quand il commence à mettre des conversions, d'huile de grenade, tout ça, ça grimpe très vite. Et du coup, on prend un très gros lead côté Aeron, hein, une stock 55% sur Snake. Et comme on sait tous, Snake, il est quand même vachement lourd, donc il n'est pas prêt de mourir. C'est quand même un très gros avantage côté Sager. Et Aeron a l'air bien décidé à creuser l'avantage. Alors, okay, on tente des trucs d'assassin, là, le forward air pour tuer à 40. Franchement, il peut se le permettre. Ouais, bah, truc d'assassin ennemi, hein, le side B là dans le neutral c'était osé. Je sais pas si c'était un B-missile put. Et voilà, là des trucs rigolos du match-up. Le contre sur les explosions dans tous les sens. Et on va tenter une phase d'edge guard avec, voilà, extend au side B. Magnifique. Je suis fier de toi, Sager. Ça déroule, on évite le C4, on retourne en neutral. Sager qui prend vraiment de la distance, hein, contre Snake. C'est-à-dire que quand on a Burst Range de Greninja, on peut quand même jouer loin, d'autant que Greninja a El Famoso low profile pour passer sous les grenades. Oh là là, mais plus tout le C4, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a vraiment, là, Aeron, il veut la mort de son opposant à tout. Et voilà, on n'hésite pas à se prendre soi-même le C4. De la stock. Donc toujours un lead d'une bonne stock pour Aeron. On va voir si Sager va remonter. Là, vraiment, Aeron qui joue très bien autour des outils de Greninja. La sticky est sur Snake, elle vient de passer sur Greninja. Et alors ça, c'est un petit peu, c'est pas possible. On se prend des C4 dans tous les sens, les pourcents montent. Et là, c'est vraiment la situation dans laquelle on veut pas être contre Snake. Parce que là, Snake, il va pouvoir commencer à se permettre de juste faire des up-tilt, faire des, voilà, des mix-là, des trucs comme ça, et voilà, on est foutu, on revient à égalité 1-1. Et du coup, la question est-ce qu'on peut réussir à trouver comment on met les maps. Je peux mettre. Voilà. Oh, voilà, c'est ça. Incroyable. J'ai réussi. Ah, ou Gentleman Small Battlefield. D'accord, pourquoi pas. Alors, Small Battlefield qui, du coup, comme les plateformes sont un petit peu plus petites. Donc, voilà, petit tip sur le match-up Snake et Ninja, je vais en profiter. Sur PS2, les plateformes sont un petit peu plus hautes et avec le low profile de Greninja, on se prend la C4 que vraiment si on est pile poil en dessous. Alors que sur SBF, du coup, les plateformes étant plus petites, elles vont couvrir un petit peu plus d'espace. Ah, et j'avais pas vu, on a Nertsenem qui s'étonne du manque de counter. C'est un peu télégraphé quand même en vrai. C'est un bon truc, mais c'est un peu comme le counter sur le boomerang de Link, tiens, pour prendre un truc que tu connais. C'est un truc que tu vas faire une fois ou deux dans le set, c'est pas vraiment un outil neutral. Parce que si le Snake il s'y attend, en fait, il se met pas en lag et il finit le counter. Voilà. Du coup, on est reparti pour le moment très even, hein, sur la game précédente, Sager s'est vraiment fait voler la première stock en vraiment une quelques dizaines de secondes, mais là pour le moment on gratouille des deux côtés, et on a une phase d'avantage un peu timide de Sager, mais voilà, pour le moment on joue prudent, on essaie de gratter les pourcents. Oh non, mais qui fait ça? Non mais ça c'était vraiment pas bon. Qui? Juste up smash dans le neutral avec Snake. Ça n'avait pas le droit de passer, mais c'est passé quand même. Sans commentaire. Ah ouais, du coup, c'est peut-être moins punissable sur le boomerang. Je sais pas exactement. Mais Aeron, il n'a pas le temps de jouer, quoi. Il est pressé, il est en rendez-vous. Et voilà. Là, c'est le problème de Snake, c'est quand même des avantages pas ouf. Quand même. Ok, il peut bien reverse avec la grenade, mais ça demande déjà d'avoir un momentum horizontal, il n'y a pas des masses de drift, donc là il était à la verticale, il pouvait pas faire grand chose. Du coup, ledge trap,
pas grand chose. On tente des C4. Bon, bon, ça reste du neutral assez assez even, même si on a de gros avantages de pourcent côté Iron. Et voilà, la Nikita. Et on réussit à les faire. Pas de problème. Bon, la Nikita, c'est vraiment bien, c'est vraiment tech. Hein, c'est vraiment tech. Si le Snake il arrive bien à suivre les mouvements de l'hydropump, c'est vraiment compliqué. Bon, du coup, pour le boomerang, on verra plus tard, je vais finir de casser mon match parce qu'il se passe trop de trucs trop vite pour que je fasse une réponse détaillée. Alors voilà, on tente la ride de l'air dodge, malheureusement on l'a pas, ça a pas mis en tech. Oh là là là. Alors, phase de juggle, est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose, je pense que c'était un bear reverse manqué, ça aide bien avoir vraiment pas trop de raison d'être. La snake à 82, mais mine de rien, ça peut quand même partir assez vite, parce que du fait de son poids, voilà, Snake il est quand même assez vulnérable à pas mal de contre-formes de Greninja. Donc ça peut quand même partir vite. C'est chaud, mais c'est pas infaisable. Et Sticky, bon, je pense que les deux joueurs sont au courant, donc ça va en mode. C'est vraiment là que je souffre. Mon âme est avec Saiyor. Sans commentaire.